Bonjour à tous, c'est Jen Tetsuya et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre let's play sur Enshrouded. Première fois que je le prononce correctement. Donc à la fin du dernier épisode, on avait réussi à créer le grappin qui va nous permettre de faire la quête suivante. Il faudrait qu'on obtienne de la résine pour pouvoir fabriquer un meilleur équipement. Je sais pas où ça en est ça. Bah tiens, encore. Des bûches. Équipez, bah vas-y, équipe le grappin. Enfin, un truc en moins. Alors, ça, on a, ça, on a. Ça, tu remets ça là-bas. Les lucioles, la peau, bout de bois, le silex, la pierre était là. On a eu du sel? Ok, bon, tiens, on n'a pas de place pour mettre de... Ah, il faut absolument qu'on construise un nouveau truc de stockage. Des clous et des bûches. Ouais, on n'aura pas assez de ferraille pour faire les clous. Bon bah on va garder sur nous tout le loot qu'on a. Bon bah c'est parti hein. Tant qu'on n'a pas la résine, on ne peut pas se construire un meilleur équipement de toute façon. J'ai déjà coupé des arbres, donc c'est pas la résine d'arbre. J'ignore où est-ce qu'on peut en avoir. Je vais quand même ramasser toutes les petites plantes pour avoir les fibres de plantes pour pouvoir faire de la ficelle. On devrait pouvoir passer plus facilement de ce côté-ci. Alors, Y. Hop là. Ok, bah ça fait tout seul. Ok, bah descend. Nickel. Oh non, j'aime pas cet endroit. Ah si, y a un truc pour le grappin. Génial. Ferraille. On a une ferraille. On a assez de clous. Youp. Yay. Ok, d'accord. Si tu veux descendre comme ça. On évite les pièges. Je sais pas si ça sert à quelque chose de les désamorcer. Sachant que... Ouh. Ça ressent que le monde se remet à zéro. On quitte le jeu. 6 ferrailles, mais c'est trop bien, c'est énorme. Merci. Pourquoi est-ce qu'on irait pas refaire un tour là-bas pour voir s'ils ont repopé ou pas? Parce que de la ferraille, c'est ce qui nous manque le plus. Non, ils ont pas repopé. J'ai pas éteint le jeu depuis la capture de la dernière fois. Oh, bon bah ça c'est un autre mob. Les abeilles. Et on peut pas les loquer, elles. Et on n'a pas d'objet. Fibre de plante. Ah, il faut qu'on aille par là. Pas assez d'endurance. Ok, ça demande quand même pas mal d'endurance hein, le grappin. Hop là. Aïe aïe aïe. Si je me mets ici, je te touche, non? Oui, mais difficilement.
tu me laisses boire ma potion? Attends, si je me cache, tu peux plus me toucher là normalement. Ah mais il est là notre super arc. Bon bah s'il nous capte pas, moi ça me va. Hein. Ah s'il nous capte. Mais il nous fait moins de dégâts ici. Vas-y, hein. J'étais concentrée dans mon action, là. C'est cheaté l'arc, en fait. Bon, s'il y a un autre mob, on aura déjà fait le plus dur. On en aura tué deux déjà. Ok. On va aller récupérer son loot. De la ferraille. J'aime trop ses ennemis. Le boss de ses ennemis. Il doit avoir une centaine de ferrailles sur lui, non? 5 ferrailles. Les ennemis qui tirent à l'arc. C'était mes ennemis, enfin l'arbalète, c'est pas un arc. C'était mes ennemis détestés, et finalement, bah pourquoi pas, hein. Du tissu et de la ferraille. Allez, qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre? Un bâton du berger. Ok. Imaginez ceci. Tu repères des piliers de pierre enfoncés à l'horizon, masqués par des monticules de terre. Ils s'étirent vers le ciel comme les os des doigts d'un titan. La marque d'un tombeau caché, les escaliers à l'intérieur s'enfoncent dans l'obscurité. Torche à la main, tu te laisses glisser dans l'incertitude, dans l'effroi. Pourtant, ta recherche te pousse à aller plus loin. Un trésor morbide t'appelle, laissé à l'abandon dans la poussière. S'agit-il de bijoux de famille, d'un héritage venu d'un pays lointain? Quoi qu'il en soit, mon ami, ce sera la base de notre empire. La pierre angulaire d'une forteresse bâtie sur le sang versé. Ça te convient? Je connais l'emplacement approximatif. Si tu t'occupes des recherches, Gerrit, je partagerai la marchandise. Marché conclu? Si tu le dis. Hop, hop, hop. Y a plus rien pour l'instant? Non, ça va. On continue. Est-ce qu'on monte ou on descend? Je crois qu'on monte, hein. Ah oui, la forteresse, elle est en haut. Quelle question. Caillou. Pourquoi il y a un son différent, hein? C'est fait exprès pour nous faire peur? Bon. Oh, il y a un truc là-bas. Il y a un monsieur mort. Ferraille, fourrure. Et j'ai un feu de con. Le malheur frappe comme la foudre. Les éclairs embrasent le ciel. C'est ma seule source de lumière depuis que le feu a été éteint par cette impitoyable averse. Bien sûr, j'avais vu les nuages s'amonceler avant de partir à la recherche de la tombe cachée. J'avais goûté à la menace dans la brise. Malgré les signes avant-coureurs, il m'a poussé à m'aventurer. Tu peux attendre la fin de l'orage. Tu peux attendre la fin de l'orage, mais l'eau risque d'étouffer notre trésor dans la boue. Peux-tu supporter de voir notre empire emporté, Gerrit? Oh, ce diable a la langue d'argent. Le tombeau est tout proche, mais le vent et la pluie m'empêchent de m'aventurer plus loin. Cette harpe grinçante m'abrite à peine. Je serai sûrement trempée. Le texte se termine brusquement. Ah, l'arbre lui est tombé dessus.
Oh. J'aimerais bien monter, mais d'abord il y a une petite bâtisse là-bas. Je vais aller voir ça de plus près. Entrée cachée de la tombe. Ah. Bon bah on va. On dérive de notre objectif principal. Oh, des arachnides. Attends, si c'est des araignées, elles ont... Eh oui. Qu'est-ce qu'elles vont nous donner? Morceau de bestiole. Ficelle. Ah. Ouais, c'est logique. What? Il y en avait deux. Ficelle, morceau d'araignée. Ah, raté. On va pas tenter le diable, hein. Nous connaissant. Elle avait l'air un peu plus grande, celle-là. Ah! Il y en a caché dans les... Ah, parce qu'il y a des œufs. Alors là, il y avait rien... Saleté. Oh, il y en a deux. Une. Il y a des bébés. Ouh. Il semblait bien qu'il y en avait des autres. On n'a pas... Oui, c'est ça, un pansement. Peu de nourriture. Ok, ouvrir. Bloc d'os. Le trésor suprême de cette tombe, c'est un bloc d'os. Ok. À la recherche des tombes cachées. Ah bah on a fait une quête en même temps. J'avais même pas remarqué que ça avait déclenché une quête. Bah en tout cas on a fait un donjon comme ça. Par pur hasard. Faut toujours examiner les mines. Toujours. Il y a forcément des trucs cachés. Bon, à nous deux, la tour des anciens. Régénérons-nous un petit peu. Faut beaucoup de fibres. Allez hop. J'ai la ferraille, j'ai les fibres. Je vais pouvoir faire un super coffre. Ok, là ça fait rien. Hop hop. Non, il y a une tour là et il y a une méga tour. À atteindre le clocher des anciens dans les tours des sources. Oh, plus 500 XP. Nouvelle quête. Bah, il nous dit pas ce qu'on doit faire. Ah.
Bon. Le tour des anciens domine les friches. Il doit y avoir un moyen d'y entrer. Bon, bah, entrer dans la tour des anciens. Ok. Oh! Ramasser. Ramasser, ramasser. Ça brille pas. Les tours des anciens, balises de lumière. Ces tours s'étirent jusqu'au firmament et refusent l'entrée à ceux qui n'en sont pas dignes. Les anciens entrent, mais je ne les vois jamais sortir. J'ai deux théories. 1. Les tours des anciens sont connectées entre eux et les silencieux voyagent entre les tours à leur guise. 2. Les tours des anciens servent de sépulture de la même manière que l'hôtel de la flamme. Les anciens gardent toute la connaissance de la terre quand ils quittent le plan mortel. De toute façon, je ne peux pas entrer. Lorsque je marche sur la plaque ornée, rien ne se passe. Quel dommage. Balthazar. Notre cher Balthazar. Je pensais avoir le jeu en faisant tour. Oh. Ah, point de sauvegarde. Enfin, point de... Il ne s'enclenche pas. Bon. Je dois certainement monter sur la stèle pour pouvoir enclencher le truc. Bon, il n'y a rien ici. Je regarde là-bas et après on monte. Utiliser. Téléportation. Ok, on est entré dans la tour des anciens. Est-ce qu'il y a des monstres? Sachant que personne ne peut y entrer. Oh! Certaines portes sont verrouillées, mais peuvent être ouvertes si vous trouvez et appuyez sur le bon bouton. Ah, d'accord. Alors, là, ça a l'air d'être sur l'extérieur. Oh. On peut regarder. Il y a des maisons là-bas. C'est pas si long que ça. Ah, c'est juste après le camp qu'il y avait là, qu'on avait fait. Il me semble. Attends, j'appuie toujours sur un bouton que je pense être la map, mais pas du tout. Ouais, ça doit être là. Soigner les vieilles blessures. Alors, on va d'abord monter par là. Si on a dû ouvrir une porte, c'est que forcément, ici, ça doit être bloqué. Ah, mais il n'y a rien du tout. Ah si! Il y avait des choses. Si je détruis ce qu'il y a ici, est-ce que ça va me donner de la ferraille? C'est sans ferraille, hein, techniquement. Non, c'est de la pierre. Je les vois. Alors attendez, on va passer par là d'abord. Ah, il y a un coffre. Un arc long de la forêt. Bon, ok. On en a déjà. Nous, ce qu'on veut, c'est une baguette magique. Ah, yeah. Ok, bon, bah, on a fait le premier étage. On peut retourner en haut. Et reprendre un peu de... d'endurance. Je me laisse tomber dedans. J'ai bien envie de me laisser tomber dedans. Faut juste pas que j'aille là. Oh, un coffre. Ah. Potion de mana. Oh, génial. J'ai jamais utilisé mes points de mana. Attends, si on lance. Ouais, ça utilise pas de points de mana, mon attaque magique. Il va y avoir d'autres choses magiques à faire. Comme les sorts qu'on avait débloqués là. Un moyen d'entrer sur le site des tours des anciens, mais j'y suis là, non? Faut que j'aille tout en haut en fait. Ok, bon voilà, on a fait. Suivant.
Ok. Alors, je crois que les grilles, c'est pour grimper. Je crois que ça, c'est même pas la peine d'y penser. On va descendre, on va voir ce qu'il y a en bas. C'est rien. Ou alors faut faire avec un arc. Ah, je suis assise. Attends. Ouais, non, ça fait rien. C'est pas ce que je voulais faire. Attends. On se régène parce que là on va devoir grimper. Et grimper, ça consomme beaucoup d'énergie. Oh non! Je suis dégoûtée. Je voulais pas qu'il s'ouvre ce truc. Yes. Certains boutons peuvent être hors de portée. Tirez dessus avec une flèche pour les activer. Forcément une flèche. Oh 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 oh. Épée rouillée. Ok. Voilà. Ça a été déverrouillé en bas, je pense qu'on va arriver en bas. Ah oui. Étage suivant. Ah bah on peut l'ouvrir. Oh non, ça c'est traître ça. Non, attends, je vais attendre. Timing. Attendez, là aussi il y a un truc à ouvrir. Ah ah! Passer de l'autre côté. Mais il est bleu, quand c'est bleu, ça prend rien, hein. C'est bien ce qu'il me semblait. Il faut que j'en trouve un deuxième? Ah bon, il y a un coffre. Boule de feu. Mais j'étais persuadée qu'il y aurait un autre truc ici. Bah peut-être qu'on peut pas le faire tout de suite ou que le bouton est dans l'autre pièce. Mince, je croyais prendre dehors. Bon bah tant pis, je vais regarder si je le trouve pas ici. J'ai plein de potions. Non.
ben grimpe. Oh, il veut pas grimper. Ah non, c'est pas ça. Tu peux utiliser un sprint jump pour couvrir une plus grande distance, faire un sprint et prendre de l'élan avant de sauter pour atterrir sur des plateformes qui semblent être hors de portée. Tout à fait, tout à fait. Donc c'était pas sur l'autre que je vais me poser. Ouf, punaise, j'ai failli me... plusieurs fois. Hein. Non ! Pansement. Je l'aurai, ce maudit bouton. Allez, on regagne tout. Voilà. Yes. Arc du chasseur. Encore des arcs. Ah mais lui il est niveau rare, il est bleu. Et hop. Niveau suivant. Tour des anciens, haute pâture, voyage rapide. Communier avec la flamme. Cette tour des anciens ouvre des points de voyage rapide dans le monde entier et dévoile les connaissances des anciens de Val-de-Braise. Partez à l'aventure. La terre doit être reconquise. Nouvel emplacement cartographié. Ça c'est génial ça. On pas de loot ici. Eh ben, c'est un chouette petit donjon. Je me demande si on peut rentrer dans les toutes petites tours qu'il y a là. Alors. Puits de l'élixir. Ah. Entrée cachée de la tombe. Ça, on l'a faite. C'est quoi ça? Je sais qu'on va aller là. Ah! Sanctuaire de la flamme. Mais je vais d'abord aller là, moi, perso. Il y a beaucoup de trucs sur la map, là. Alors, la flamme peut être renforcée à l'hôtel de la flamme. Cela te permet de percer davantage la brume et de construire d'autres bases. Pour renforcer la flamme, étincelles et d'autres matériaux sont nécessaires. Trouve des étincelles dans sanctuaire de flamme. Ok. Eh ben, on va rentrer au camp. Maison, niveau 2. Le camp s'appelle maison. On peut ainsi dire, rentrons à la maison. Les cryptes des anciens contiennent des voix réduites au silence par la brume. Pourtant, quelques étincelles subsistent, vacillant dans l'obscurité. Une chasseresse, jadis la plus féroce du pays, et un alchimiste doté des connaissances des âges passés. Réveillez-les, car ils vous aideront tout au long de votre périple. Ah, mais moi ça me va, hein. Moi je veux bien avoir d'autres people avec nous. Faut des bûches. Nous pouvons améliorer vos armes préférées avec des améliorations et faire bon usage de tout ce matériel que vous avez ramassé. Ok.
Améliorons votre arme préférée avec l'équipement que vous avez collecté. Nous devons d'abord démanteler une ou deux armes. N'hésitez pas à vous salir les mains. Ok. Et voilà, vous avez démantelé des objets. Vous pouvez maintenant utiliser des runes pour améliorer vos armes. On essaye? Alors... ma baguette. Attends. Sac à dos. On a plusieurs arcs. Hein. On a celui-là, 10 de puissance. 10 de puissance. 10 de puissance. Arc du chasseur, 1 de vitesse. Coup en endurance. Vitesse de flèche. Il n'y a pas d'endurance pour lui. Bon bah lui c'est le même. Arc long de la forêt. Ah bah oui c'est le même. Alors, démanteler. Yeah. Le tomahawk, on en avait déjà un. Démanteler. Excuse-moi, je me suis trompé de bouton. C'est tout. Pour l'instant. Il faut de la ferraille. Mais j'en ai besoin de la ferraille aussi. Monsieur. Donc je vais récupérer le goudron pour voir si ça va me donner des trucs en plus. Oui, bloc de goudron. C'est tout? Je peux rien faire d'autre avec. Aucun emplacement disponible dans le sac à dos. Ouais, c'est là où j'ai mis mes runes. Hop là. Feu de camp. Ah mais c'est vrai, on a un autre feu de camp. Trois. Trois clous. C'est suffisant pour faire notre truc de stockage? Enfin, on a fait notre petit coffre qu'on va mettre dans notre petite maison. Alors, on va poser le camp, on va poser ça aussi. On préférerait le mettre ici. Arrête de taper tout ce qui bouge. Alors, là-dedans, on va mettre les élixirs. Toutes les potions spécifiques qu'on a. Et les armes que je garde pour plus tard. Ça aussi. Oh, le bâton de barger, je le ferai plus tard aussi. Donc les armes, non. Je veux juste bouger. Genre les sorts ici. Et les sorts ils sont faits par ça, hein, je crois. Par les bâtons. On a une épée ici. On va garder la meilleure. Hein. 14 de dégâts. 16 de dégâts. Bon ben toi, démonter. Est-ce qu'il y a encore des choses à faire ici au camp? Journal. Ouh! Trouver l'alchimiste. Trouver la chasseresse. Oh. Alors. Ma baguette. Mon sort. Hop. Non, c'est toi que je voulais mettre dedans. Tiens, le sel aussi. Il y a des cailloux. Allez. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai des brindilles là-dedans. Mmh.
que je voulais faire déjà? Je voulais récupérer ça. Ça. Ça, c'est bon. Une torche et des sous. Je sais pas encore très bien comment m'en servir de ces sorts. On verra plus tard dans l'aventure. Parlez plus fort. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je peux faire les gants et le pantalon. Oh, vas-y, prends la ferraille. Je prends ça. Bloc en métal établi. Ok. Je peux faire le bouclier. Mais je me sers jamais du bouclier. Ok. Oh non, faut de la fourrure encore. Dans quel sac j'avais de la fourrure encore? Non, des joues. Bon, il manquera plus que la résine. On va remettre ça là-dedans. Ça, là. On va remettre des trucs dans les inventaires. Donc le charbon, toi, toi. Toi, je sais que t'en as là, du coup je vais mettre ça avec. Et toi, je sais que t'as du... top du miel. Et voilà. En fait, le truc le plus facile à fabriquer, c'est... c'est le charbon. Oh, il en fallait peut-être 15. Vas-y, on fabrique un nouveau truc. Bon ben voilà, c'est la fin de notre épisode. On a donc pu faire cette tour des anciens. Et on a un nouvel objectif. On a plusieurs divers nouveaux objectifs. Qu'on fera dans le prochain épisode.